C'est bon. Ok. On vient de dire comme ça. On est du bon. Non, tu peux m'attaquer. Hein? Tu veux pas te faire? Oui, si tu veux. Alors, bonjour à tous. Merci d'être venus, si nombreux, parce que d'année en année, on a de plus en plus de monde. Si nous encourage à continuer, et surtout pour le devoir de mémoire. Je voudrais saluer le lieutenant-colonel Ortega, qui est devant moi, qui représente le général d'armée, chef d'état-major, donc des troupes françaises, terre et en mer, du général de Villiers. C'est sur son représentant ce matin, parce que le général de Villiers n'a pas pu se rendre pour d'autres obligations. Et il représente également le général de Saint-Chamas. Donc ce colonel, ce matin, a deux casquettes, plus la sienne, ce qui en fait trois. Et puis je saluerai aussi le général Yves Béraud, général de brigade, qui est devant vous, et qui est directeur général du CIDAM. Voilà. Et puis, tous les autres officiers, sous-officiers, et bien sûr, monsieur le maire, madame la première adjointe, représentant la ville des Saint-Delon. Alors, ce matin, nous sommes réunis pour commémorer beaucoup d'événements. Le premier, la Première Guerre mondiale, 1914-1918. Et là, pour cet événement, un grand Vendéen représentant cette génération de feu, qui était Georges Clemenceau, dit le père de la victoire. Deuxième événement, 70e anniversaire du débarquement de Normandie. 70e anniversaire du débarquement de Provence. Donc là, j'ai devant mes yeux un vétéran qui est notre président d'honneur, acquis de notre association Histoire, Mémoire, Passion, et qui a débarqué avec les groupes au débarquement de Provence. Et là, deuxième chef militaire représentant encore la Vendée, le général Delattre de Tassigny, maréchal de France, chef d'état-major des forces d'armée. Alors vous voyez, nous sommes riches en événements. Nous commémorons bien sûr un petit peu en avance, parce que c'était le 28 août, et aujourd'hui nous ne sommes pas le 28 août, mais nous commémorons un petit peu par avance la libération de la ville des Saint-Delon. Et je dis ouvert le 8e festival associatif Chauveur. Donc notre association, ça fait 14 ans qu'elle existe. 14 ans où nous avons eu le plus de succès. Vous venez très nombreux et ça, nous en sommes satisfaits. Voilà ce que je voulais vous dire, ce qui va être commémoré ce matin. Alors nous commençons la cérémonie. Nous allons procéder au dépôt de gerbes.
Faisade. Thank you.
Et entretient la mémoire de ceux qui sont tombés jadis, aussi bien en 14-18, en 40-45, pour que vive la France. Merci infiniment à toutes et à tous.
applaudir de vous. Thank you.
soir. Donc, prestations. Maintenant, la cérémonie étant terminée, je vous remercie tous d'y avoir participé. Maintenant, je vais vous demander de rendre tout ce prix du joyeux de Saint-Nicolas, parce que M. le maire nous offre un vin d'honneur et qu'il en soit remercié. Bravo. Voilà, super. Excusez-moi. On n'en parle pas, ça va. Bonjour. Bonjour. Mais ils ont mis qu'à sa grosse. Bonjour. Merci. Pardon. Vous allez moins là, il a une souveraineté un peu particulière, c'est un énorme.